elle sera pour Alexia. Vous l'avez choisi, public. Miss Corse. Une grande surprise, puisque on était 7 candidates, elles étaient toutes super jolies. Et on s'entendait toutes bien. Il y avait... En plus, on s'est entraînées toutes ensemble au catwalk, au discours. Donc pour moi, il n'y en avait aucune qui était moins belle que l'autre. Même à l'intérieur, elles étaient toutes super gentilles. Donc c'est une surprise, parce qu'on aurait toutes pu être à ma place. Et comment tu en es arrivée du coup à participer à Miss Corse? Alors j'ai fait d'abord Miss Portich, il y a 3 semaines environ. Et donc du coup, c'était dans la continuité. Mais sinon, c'est peut-être un peu une tradition, puisque ma grande-tante, elle était Miss Corse en 1971. Mais après, c'est aussi un monde qui me plaît, ça offre de belles opportunités, c'est une très belle aventure, ça fait évoluer. Et c'est une chance pour représenter un endroit qu'on aime, donc la Corse. Et de l'emmener le plus loin possible, de montrer que la Corse, c'est magnifique et qu'il y a plein de choses à découvrir là-bas, enfin ici. Tu es originaire d'où ? Alors, je suis originaire d'un petit village, ça s'appelle Giglio, c'est à côté de Lévis. Et Lévis, on connaît un petit peu quand même. Et donc, en dehors de Miss Corse, justement, que fais-tu ? Alors, je suis en 3e année de licence de chimie. Là, je vais faire ma rentrée. Enfin, c'était aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je fais ma vraie rentrée. Et sinon, la musique, ça occupe une grande place dans ma vie, puisque depuis toute petite, j'en fais en horaire aménagé. Et donc, j'en ai fait au conservatoire. Je fais du saxophone, du violon et du chant lyrique. Le chant lyrique dans une compagnie lyrique. Et je prends des cours en solo pour peut-être devenir chanteuse lyrique un jour. Et donc maintenant, une année Miss Corse donc, s'offre à toi, donc qu'est-ce que tu vas faire de ton nouveau mandat? Ben, je vais saisir toutes les opportunités, toutes les chances, je vais essayer d'être là pour toute la Corse. Dès qu'on m'appelle, je vais être là parce que j'adore ça. Je vais essayer de partager mon sourire avec tout le monde, de représenter dignement la Corse, même à l'échelle nationale, à Miss France, j'espère l'amener le plus loin possible. Et puis... Bah, je vais quand même continuer mes études à côté parce que je vais m'arranger pour les cours, pour essayer de passer mes examens un petit peu après, comme ça. Alors, pour finir, un petit message du coup à passer peut-être aux futurs Miss qui se présenteront à l'épreuve de la nature. Il faut toujours y croire, comme dirait Iris, mais faut s'amuser en fait. Il faut juste profiter du moment présent, s'amuser sur scène, sourire, danser, rigoler, enfin, le prendre comme une belle aventure, comme juste une soirée où on est avec des copines et puis on est contente d'être sur scène, de partager un moment avec un public qui nous soutient en plus. Donc il faut juste s'amuser, profiter et en général ça marche.